Tous les prétextes sont bons pour entrer en contact avec la personne qui nous plaît. Caroline, tu veux bien me prêter ton agrafeuse? Non, pas comme ça. Caroline, tu veux bien me prêter... Non. Quelle belle journée, Caroline. Tiens, je t'emprunte ton agrafeuse et... Caroline, est-ce que t'as besoin de ton agrafeuse? Ouais, comme ça. Allez, on y va, on s'en va voir, Caroline. Ah, ah, la, 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 la. Salut Roger. Salut mon pote. T'as besoin de quelque chose, Roger? Oh, je m'en vais emprunter une agrafeuse. Ah, tiens, prends la mienne. Non, je sais. Bah, si, je te jure, j'en ai pas besoin. Bon, merci. C'est un plaisir. Et pourquoi j'ai pas le même tonus que tout à l'heure, moi? Mais si je voulais emprunter une agrafeuse à Caroline et que Jean-Claude s'est interposé pour m'en prêter une, ça veut dire que si j'invite Jean-Claude à dîner ce soir, Caroline va s'interposer pour accepter. Mais bien sûr, allons-y. T'as besoin de quelque chose, Roger? Jean-Claude, ça te dirait qu'on dîne ensemble ce soir et qu'on s'assoie sur nos visages? Parfait, à quelle heure? Mais je viens de me rappeler que j'ai une tante qui est morte. Ce soir? Ce soir, justement, et désolé. Mes condoléances! Il détruit tous mes plans, saligo. Bon, je vais aller directement dans le bureau de Caroline et on verra. T'as besoin de quelque chose? Bon, je vais l'appeler par un diminutif de son nom, c'est à la mode. Salut, Caro! Salut! Comment ça va, Car? Ça va. Beaucoup de travail, Car? On se débrouille. Et je te dérange pas trop? Tu peux t'asseoir si tu veux. Ah bah c'est sympa, tiens. Enfin, deux minutes, quoi. Alors qu'est-ce que tu fais par les temps qui courent, comme ce soir, par exemple? Fais gaffe, il faut pas se bercer trop fort dans ce fauteuil, hein. Oh, t'inquiète pas, j'ai connu des moments plus... Tu vois, c'est ça que je voulais te dire. Allô? Je te dérange, ouais. Je peux te rappeler, Pierre? T'es occupé, là? Ouais, je suis occupé. Écoute, je finis de me couvrir de ridicule et je te rappelle tout de suite après, ça va? Ok. Alors, où est-ce qu'on en était? Bah, dis donc, il est déjà 16h30. Ouais, le temps file, hein. Comme dit mon père, qui a un chalet en Suisse dont j'ai les clés ce week-end. Et en plus, je dois laisser la voiture au garage parce que j'ai un problème de carburateur. Oh, ça, les carburateurs, hein. Remarque que j'y connais rien. Comme par exemple, tiens, mon père qui a un chalet en Suisse dont j'ai les clés ce week-end. Bon, est-ce qu'il y a autre chose ensuite? Non, il y a que le chalet, mais c'est. Hein? En Suisse, hein, pas ensuite. Non, je veux dire. Dont j'ai les clés ce week-end. Est-ce que t'as besoin d'autre chose? Moi? Là, je suis pressée, là. Ah, je comprends, bah oui, j'y vais. Écoute, il faut pas perdre son temps, parce que quand on a l'impression qu'on perd. C'est ça. Père. Au revoir. Qu'on perd un chalet en Suisse dont j'ai les clés ce week-end. Au revoir. Si le cœur t'en dit ce week-end, mon père est au chalet de mon père, que je te mette la clé dans les cuisses. Je veux dire, mon père a un chalet en Suisse dont j'ai les clés ce week-end. Oh, excuse-moi, mon agrafeuse m'a échappé des mains. Parfait, je voulais justement ton emprunt. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple.